Sérieux, j'ai vraiment aimé l'expérience. Moi, je l'avais dit à mon année, j'ai eu une enfance un peu à la Tom Sawyer, là, c'est vraiment dans la nature, puis à courir, à gambader dans les arbres avec des chevaux. C'était assez pété, c'était vraiment le fun. Puis, j'ai toujours trippé île déserte, j'ai toujours eu une fantaisie d'un jour être échoué sur une île déserte à un moment donné ou à un autre. Donc, ça a été un peu. Un staging de ça, c'était le fun. Puis pour ce qui est du challenge des bûches, ben, moi aussi, j'ai jamais été un grand adepte de télé-réalité comme Seb, mais par contre, des trucs comme Survivor et tout ça, ça m'a toujours interpellé. J'ai toujours pensé que j'aimerais faire ça. Puis des challenges d'endurance, de même, c'est ça, on n'a pas la chance vraiment de faire ça chez nous, parce que comme Hugues l'a dit, de rester 15 minutes immobile dans ma cuisine chez nous, je conçois ça complètement impossible. Et puis, d'être resté 19 heures sur une bûche, ben, ça me surprend beaucoup d'avoir été capable de le faire, surtout mentalement plus que physiquement. C'était le fun aussi de pouvoir se relancer. Seul, ça aurait été impossible, mais d'avoir des compétiteurs, surtout les 5 derniers, là, de se relancer, de toujours être là pour se challenger un à l'autre. Puis c'était le fun, c'était trippant. Moi, je suis très content de l'avoir fait. C'est sûr que là, je suis épuisé, puis je veux juste dormir, mais ça vaut la peine, ça a valu la chandelle. Puis pour ce qui est du reste, ben, la vie en communautaire, puis la vie en communauté, puis le rationnement des biens, mais c'est sûr qu'il y a du monde qui feront jamais de camping ici ou qui n'en ont jamais fait, puis ça les intéresse pas. Ou que je leur souhaite pas de se retrouver dans une situation d'urgence parce que il y aurait de la misère, mais c'est ça, c'est des points communs, il a dit, à travailler. Puis ici, c'est un jeu, c'est le fun, on peut toujours. On s'en sort quand même toujours bien. Fait que ça a été vraiment une expérience très agréable. Donc, merci à tout le monde. Je suis content de vivre la vie.